Le moment est venu pour moi de vous parler. Notre société a changé. Beaucoup de personnes constatent que les réactions sont de plus en plus épidermiques, que les humains analysent de moins en moins ce qui se produit devant leurs yeux, qu'ils se laissent envahir par les émotions et la soif de vengeance. En astrologie, il est dit que nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette sensation de vivre des hauts, très hauts, et des bas, très bas, parfois en l'espace d'une journée ou de quelques heures. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend pour les années qui viennent. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, l'ombre n'existe pas sans lumière. Cette instabilité des énergies, nous faisant passer d'une extrémité à l'autre, nous montre qu'aucune décision logique, ni aucune posologie médicale, ne rétablit artificiellement l'équilibre que nous avions avant. Je dois vous parler aujourd'hui de connexion avec le divin. S'il a été possible, sous l'ère du poisson, il y a encore quelques années, d'être fasciné par l'aspect romantique ou horrifique de la souffrance et du morbide, s'il était possible d'étudier la peur en gardant nos distances, en rationalisant et en nous sentant quand même protégés, s'il était envisageable de rester objectif face aux mensonges, aux horreurs des crimes de ceux qui dirigent le monde, à la mort elle-même, toutes ces activités ne font que nous distraire de notre objectif réel. Beaucoup de gens vont perdre la foi et sombrer dans la terreur ou la folie. Je prie chaque jour depuis des années pour que vous ne soyez pas de cela. La solution unique et évidente pour ne pas perdre la raison est d'être dans la foi. De nombreuses prédictions ont été faites sur le 21e siècle, et dans les plus positives, elles ne sont pas nombreuses, alors autant se réjouir sur l'importance de celles-ci. Il fut dit que ce serait un siècle de révélations spirituelles et de l'incarnation de nombreuses personnes dans l'amour et dans la connexion avec le divin. Je crois personnellement en la fin du mensonge lié à la foi aux religions elles-mêmes et aux mensonges de tous les détracteurs de ces religions lorsqu'elles sont revenues sur le chemin de la bonté. Car nombreuses furent les croyances qui ont entaché le message d'amour et de sagesse de leurs prophètes par des besoins de contrôler le peuple dans le rationnement de la grâce de Dieu qui est une idée fausse. Tu auras de l'amour, tu iras au paradis si tu obéis. Ou l'idée d'en être indigne par l'outil de la guerre ou l'outil de la politique corrompue. Il fut ainsi facile pour les détracteurs d'accuser les crimes passés de ces religions, même lorsqu'elles devenaient plus alignées sur le message de leurs livres sacrés. Chers amis, nous n'avons plus de temps à perdre. Aimez, soignez, guérissez, agissez, intervenez physiquement si cela est dans votre manière de faire, afin que la lumière de Dieu ne soit pas ombragée par la peur. Aimez, priez, méditez, agissez, guérissez, réunissez et intervenez spirituellement si cela est dans votre manière de faire, afin que le message de Dieu se déploie dans les âmes des humains. Soyons conscients que nous sommes vivants. Nous sommes en vie et c'est un miracle. Il nous a été annoncé qu'une pandémie était déployée sur le monde. Nous sommes fin octobre 2020 et 99% des humains sur Terre ont survécu. Nous ne saurons que dans très longtemps s'il se fût agi d'un miracle ou si tout cela ne fut qu'une mise en scène pour nous distraire de notre mission première, amener de l'amour sur Terre et éveiller les âmes perdues, les éveiller dans leur véritable nature divine. En attendant de connaître la vérité, continuons de croire au miracle. Le premier confinement a eu un seul effet positif sur l'humain. De nombreuses personnes ont pris conscience de leur spiritualité. La grâce est née de la médiocrité. Dans la sensation que la vie elle-même ne pouvait pas être si peu, nombreux d'entre nous ont ressenti le besoin de méditer, de lire des livres sacrés, de prier, et ont ainsi été touchés par l'amour et la santé qu'offre Dieu sans discontinuer. Songez à cela, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est nous, dans notre libre arbitre, qui choisissons d'ignorer cet amour pour aller explorer d'autres choses. Et souvent, ces autres choses sont l'inverse de l'amour. N'oubliez pas que l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes maintenant ne nous permet pas de visiter des sentiments de peur sans nous piéger et d'y rester. Donc, faites tout par amour, dans le respect du prochain, dans la bonté et dans la sagesse. Je termine par une prière pour la connexion. Notre Seigneur qui êtes aux cieux, Dieu d'amour et de lumière, grandeur de l'univers, je suis dans la gratitude immense d'être connecté et aimé par toi. J'ouvre tous mes canaux, je déploie toutes mes antennes, je laisse béantes toutes les portes de mon esprit
et chaque pore de ma peau afin d'être renouvelé, guéri, traversé par ta bonté. Fais de moi un être porteur de ton message d'amour et de spiritualité. Permets-moi d'exprimer par mes mots, par mes actes, par mes gestes et par ma présence toute ta volonté de faire le bien et de guérir les gens que j'aime et de guérir les gens que je n'ai pas encore rencontrés. J'accepte ton amour et ta divine bonté. Je fais de ma peur une énergie créatrice qui me rend plus fort et plus courageux à chaque instant. Je suis un être de lumière, un être d'amour, un être de joie. Merci mon Dieu de me permettre de comprendre tes messages, de reconnaître tes signes. J'avance avec bravoure et dans ta protection. Je remets à Dieu ceux qui sont mes ennemis et qui veulent du mal. Je leur pardonne et j'implore Dieu de les remettre dans le droit chemin, de la lumière et de l'amour. Amen.